descend pas jusqu'au prochain. Et si tu la mets sur le côté là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas, monsieur Speedtrot? Faut taper, t'as un marteau? Tu mettras pas les problèmes techniques de Speedtrot en vidéo? Non, jamais. Tout le monde connaît mon impartialité. Non, c'est pas du métal, c'est du magnésium. C'est mieux, non mais ça fait mieux de dire magnésium. Qu'est-ce qu'elle est belle cette trotte. Le orange, j'adore. Moteur 48 volts 500 watts. Ah, il y a écrit speed trot. Aujourd'hui, avec Juju, Seb, on va vous présenter une trilogie de trottinettes, mais aujourd'hui ça sera uniquement sur la RX500 de chez Speedtrot. Et bientôt, donc on vous fera deux autres vidéos, une sur une XT800 et sur une XM350. Bien joué, pas d'erreur. Pas d'erreur. XM ? Ça c'est une Citroën ? Non, XM. Bon. XT, c'est un Yamaha, ouais. XR, c'est une Honda. Une Honda, voilà. Bon, en tout cas, elle est vraiment super belle, comme ça. On va vous la descendre quand même. Ah non, c'est... pas du soup. Non, c'est bien. Au premier carton, ça va te coûter 200 balles, quoi. C'est quand même pas très simple. Non, non, franchement, elle est très bien. C'est un mix entre la Futécher, en métal, chambre à air, c'est des pneus CST d'origine, c'est quand même pas mal. Et t'as vu, les pas des coups de roue, rien. Ah bah, c'est comme à la Xiaomi, tu sais, il faut retirer les autocollants, là, pour pouvoir accéder aux vis qui sont derrière. Je dis ça pour toi, parce que tu vas en avoir des crevaisons à faire, mon gars. Je pense. T'as vu, Ben? Allez, on la descend. Allez, vas-y, descends, là. Je dirais une trotte des EST. Oh là, c'est bah ouais. Comme de championnat du monde des ESC. Bah c'est ouais, ça ressemble vachement à une ESC, puis ça a tout d'une ESC, ça avance pas aussi, je pense. Alors moi j'adore, bon c'est original, c'est très original. Ouais, il y a déjà ça en vélo, c'est ça évite de, quand tu donnes, tu sais quoi, si tu tapes quelqu'un, ou que ça freine. De le planter avec le vide de frein. Voilà, de, voilà, etc. Après ouais c'est tout. Pour viser, non, c'est plus dur. C'est beaucoup plus moins drôle quand tu roules à côté des autres, tu peux plus appuyer sur le frein. C'est vrai. C'est une protection. Ah, c'est cool, c'est sympa. Non, non, t'as franchement, c'est sympa. Tout le poste de conduite, il est sympa. Ouais, aussi. Je peux. Voilà, j'avais même pas attendu la réponse. Donc, ah, vas-y, allume. Gâchette, pousse, on allume. Au dos, vitesse, batterie. Batterie. Alors, vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3. Okay. Alors, apparemment, vitesse 1, 2, 3, ça n'a pas une influence uniquement sur la vitesse max, ça a une influence aussi sur l'accélération. Le punch ? Ouais, apparemment, c'est ce que j'ai cru comprendre. Bouton phare. Bien. Est-ce que voltage 49 volts, ouais, 49,5. Ah, sachant oui. que c'est une 48 volts, 13 ampères, donc elle doit être chargée à 52 volts. T'as fait une impulsion volts. Ou une petite. Une seule. D'accord. Ça, c'est le A-00. Et l'Odo. Et l'Odo. D'accord. Et appuie longuement pour mettre le phare. On appuie longuement pour mettre le phare. Le gros phare. Et le gros phare, il est où? Oh, il est là. Une bonne position. Ouais, ça va. Il est doublé. Il y en a deux. Donc, voilà. Bon. Après, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? C'est que le design, il est vraiment super. Ah oui, continue, continue, excuse-moi. J'ai honte. Vas-y, vas-y. Juste, on n'a pas un klaxon, on a une sonnette, c'est homologué. Ah, ah. Mauvaise réponse. Et, attends. attends. Ne klaxonne pas. On entend plus les pneus qui font du bruit que le klaxon. C'est une sonnette, c'est pour les piétons. Ah oui, d'accord, ok. Enfin, je sais pas si dehors on entend quand même. Ah, c'est très léger, parce qu'avec le bruit de la circulation, ouais, c'est très léger. C'est bien. C'est bien. Il faut prévenir le vélo qui est devant toi. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est le but. Donc c'est un sticker Speedtrot, un antivol là, ça c'est pas mal. Ouais, c'est incroyable ça. Ça c'est vraiment bien. Alors c'est rapide, hein, c'est pour l'attacher devant la boulangerie, il faut pas l'attacher toute la journée avec. C'est cool. Là, mais franchement, c'est cool. Donc tu l'accroches à un poteau. Et normalement. Ah, ils ont changé le code? Non, mais c'était 000, je m'en rappelle. A few moments later. Donc normalement, tu le mets là. Ouais. C'est quoi ça? Ouais, ça c'est quoi ça? Ah, bah, pendant que Juju essaye de faire fonctionner l'antivol, on peut voir qu'il y a un magnifique numéro de série pour vous assurer, les gars. Et dans la description de la vidéo, il y aura tous les liens pour vous assurer. L'Olivier Assurance, AssureLink, voilà, je vous rappelle que l'assurance, c'est obligatoire. Bon, en temps normal, ça marche, mais là, on se souvient plus du code. Allez, hop. Vous avez touché au code ou quoi? Et voilà, et tu remets ton petit, quand tu sors de la boulangerie, t'es peinard. Après, vas-y, replie-la, moi. Un que petit crochet, on tire, très basique. Là, pareil, hein. Il y a une petite sécu en plus, faut bien appuyer. Et voilà, tu peux la porter par là. Ah oui, alors on n'a pas trouvé le moyen d'accrocher ici. Mais la nôtre, elle est embutée en fait. Elle est embutée ici, alors il y a un truc qu'on n'a pas compris, ouais. Ça vient embuter exactement ici, mais on n'arrive pas à descendre plus bas.
Ouais, il y a peut-être un truc que je ne comprends pas. On sent tout de suite que ça ne va pas le faire. Le seul truc qui a besoin de monter, c'est le guidon. Okay. Et le projet, je crois, non ? Il y a les deux vis qui sont là, les deux vis là. Et on enlève les deux vis pour mettre le crochet. C'est tout ce qu'il y a à faire. En tout cas, elle est super belle. Qu'est-ce qu'il y a là ? Ah, on va pouvoir mettre un antivol ici aussi. Une petite fente, tu sais, un petit U ou quelque chose, une petite menotte. Ah, ah, ah ! Ah, faut forcer ! C'est comme ça, c'est bien. Non, il a des épaules, il a des muscles. Okay. Ça sent les parpaings portés. Bon, bah, désolé, on n'osait pas. On a trouvé. On n'osait pas pousser, mais voilà. C'est 20 kilos. C'est 20 kilos, ouais. Qu'est-ce qu'elle est belle. À une main, on peut faire le sport. Et à te va bien. C'est bloqué. Okay. Alors, moi, franchement, j'adore le design. Franchement, elle est super belle, je trouve. Deux freins à disque, des freins à disque 240, donc des étriers d'entrée de gamme qu'on connaît un peu partout. Tu connais le prix de cet engin ? 1190. Port de charge qui est ici. Une béquille. C'est assez bien fait. Il y a même l'emplacement là pour accepter la béquille. Bon, c'est pas une béquille qui est posée là. Vas-y, je vais te mettre une béquille, quoi. Tout a été travaillé. Tout a été travaillé. Tout a été étudié. Le passage là du câble. Il n'y a rien qui a été récupéré, en fait. Non. Pour faire une trotte. Exactement. Ils ont fait une trotte. Ils ont créé une trotte. Speed Trot a vraiment créé une trotte. C'est génial. Ouais. Alors ça, c'est le S et le P de Speed Trot. C'est le petit logo pour ceux qui ne savent pas. Alors la batterie, c'est une quoi la batterie ? 48 volts, 13 ampères. Il ne va pas falloir s'attendre à faire 50, 60 km. Ouais. Ça dépendra un peu de... Ça dépend à chaque fois. Chronique. Voilà. Je ne peux pas vous donner une estimation d'autonomie. Ça dépend de votre poids, si vous avez des côtes. Je dirais quoi ? Vingtaine. Au moins 20 bornes. Ouais, une petite vingtaine. Eux, ils annoncent quoi en autonomie ? Poids net 20 kg. 35-40. Bah, comme à chaque fois, comme je vous le dis, vous pouvez diviser par deux, je pense. Voilà, IP65, ça par contre c'est super important, c'est étanche, c'est génial. Est-ce qu'il y a des suspensions ? Il n'y a pas de suspension en fait. C'est le châssis. C'est le châssis qui fait suspension ? Ah non. c'est les pneus qui font suspension. Dites-vous, c'est normal. Non mais ça va être confortable, ça va être confortable. Ça tient bien la route du coup. Parce ouais bah oui. Sur des petites trottes, genre, ouais, c'est une panne de moins. Ouais. C'est des trucs à resserrer aussi en moins. Elle monte à combien à vide ? Faut la pousser, faut pousser le moteur ou non, non là, c'est une option. 36, donc ça va faire quoi ? Ça va faire un 30 quoi ? Non, ça doit faire un 36, 35. Bon, je vous rappelle, normalement c'est 25 km/h, pas plus. Vas-y, freine. Elle a combien là-haut ? Pareil, même à la. Oh, mais même plus, elle est montée à 40. Bon, qu'est-ce que vous en pensez ? Elle est jolie, hein ? Bah, moi, le design, c'est. Ah ouais, franchement, ils ont gagné, mais à des kilomètres. Niveau tarif, donc tu m'as dit. Les autres à côté. 1190. Il y a gris, blanc et orange. C'est ça, c'est exactement ça. Trois couleurs. Une bonne vitesse, on va dire 30, 32. Étanche. IP65. IP65, c'est super important, surtout pour les Parisiens. On n'a pas tous la chance d'habiter à Marseille. Il n'y a pas tant que ça encore des trottes. Bah non, il n'y en a pas beaucoup. Le design, j'adore. La peinture, j'adore. On voit aussi la qualité, hein. Bah, je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais la qualité là de la peinture. C'est pas toutes les trottinettes qu'on retrouve. On voit. Je pense que ça va tenir, non ? Oui, c'est une époxy en plus. Je pense que c'est une époxy. Ouais, moi je pense que ça va tenir. C'est un bon époxy. Le design, j'adore, moi, avec les petites vagues. Le seul défaut que je trouverais, c'est que la batterie, peut-être pas assez grosse. Mais je me dis, après, ça a pu être le même prix, quoi. Tout de suite, si tu mets une batterie plus grosse, c'est plus le même prix. Donc là, ils ont mis en avant le. On a quand même des pneus en 10 pouces. Et en CST, donc, et ils sont renforcés, je crois, c'est une bande en. Ouais, ils disent renforcés, alors. Kevlar dedans, enfin. Ouais. C'est quand même pas mal. Alors, malheureusement, cette trottinette, elle ne sera pas connectée Bluetooth. Je vous ferai une autre vidéo, comme je vous ai dit, sur celle-ci, sur la XT800. Il y a une application Giromax où vous allez pouvoir débrider votre trottinette. Et celle-ci, il y a peut-être une manip pour pouvoir la débrider. Encore plus que ça ? Ouais. Vu que les autres, ça se débride via l'application. C'est possible. Je vous rappelle que débrider, c'est interdit, hein, uniquement sur terrain privé. Et comme on a tous de nombreux terrains privés par chez nous en région parisienne, c'est génial. 25 km/h sur la route, c'est dangereux. Les pneus, ils sont pas mal. Efficaces. Je pense pas qu'ils crèvent régulièrement. La qualité de la gomme, elle a l'air bien. En général, les CST, ça ouais. Un peu pas mal. En tout cas, elle va super bien freiner, hein, même si c'est des étriers d'entrée de gamme. On a fait quelques tests. On freine vraiment très, très, très bien avec ces deux freins à disque en disque de 140.
Ah, et ce deck là, caoutchouc, franchement, c'est vraiment bien. Pour nettoyer et tout, maintenant ils font ça sur toutes les trottinettes. C'est vraiment très très bien. Alors la surface pour mettre les pieds, elle est un petit peu étroite. Bon, elle est assez grande, assez longue, hein. On va être très très bien dessus, mais elle est un petit peu étroite. Je pense que on va avoir bien les pieds au centre. Alors les formes sont magnifiques, mais on peut pas tout avoir. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Moi, j'aime bien mettre mes pieds plus à l'extérieur, mais je peux pas lui reprocher ça. Elle est tellement belle avec ces formes là. En fait, t'as de la place. Je pensais que toi, c'est ah, j'ai mon pied qui part un peu comme ça. Ouais. Alors s'il pleut et tout, tu peux peut-être glisser, mais non, même pas. Enfin, t'as de la place, t'es bien, ça fait très très profilé, très course en fait. La position, les freins, j'adore. T'as vu les freins comme ils sont bien, Pierre ? Ouais. Bah faut s'habituer, je pense. Ouais. Mais c'est mais marrant. Très bien, t'as vu comme c'est net. Ah oui, ça bloque la roue. Ça bloque direct les roues. Quoi. Ça bloque direct. Puis moi j'aime bien le. Mais la peinture. Le ouais, c'est ça, la peinture. Quoi. C'est pas une peinture, bon, je veux... j'incrimine personne, mais la peinture, voilà, Dualtron et la peinture époxy, c'est fou. C'est vraiment bien, bien. On va la mettre à côté d'une Dualtron Mini. Un Dualtron Mini, c'est un petit peu le... c'est très un peu la même gamme. Ouais. Alors ça, c'est une Dualtron Mini standard, mais qui a été un petit peu préparée par Fast Ride avec juste un contacteur à clé. Oui. Ça se vaut hein, niveau longueur. Hein. Ouais, la SpeedCrawl est légèrement plus grande, après elle est en mais 10 pouces. Mais pas beaucoup, hein. Elle est en 10 pouces, donc ça veut dire plus de confort. 10 pouces, et c'est, pour le coup, elle est étanche, je crois, par là. Oui, je vous rappelle, hein, la Dualtron Mini, c'est une vraie passoire. Donc, interdiction de rouler sous l'eau. Et allez, pour finir, elle sort du lot, les deux. Ah, les deux sortent du lot, c'est ce que j'allais dire. Là, c'est la Kingsong M12, la SpeedCrawl XR500. Eh ben, il y a un vrai, vrai coup de jeune, vrai coup de nouveau, une vraie nouveauté, ça fait du bien, quoi. Pour le coup, il y a un nouveau écart, regarde. La Dualtron Mini, maintenant, elle fait vieille, quoi. Très futuriste. Si on regarde à gauche, ouais. Toutes les deux, ouais, elles sont vraiment très, très belles. Hein. Là, on voit, il y a du design. Là aussi, il y a une belle grosse suspension. Là, c'est vrai, aussi bien la Dualtron Mini que la V7-8, ça fait très vieillot, quoi. C'est très carré. Ouais, très carré, très allemand. Le Renault 11, quoi. Ouais. Tu pensais à Renault 11. Je pensais à Renault 11. Mais voilà, maintenant, une trottinette, vous êtes pas mal, vachement bridé, vous voulez pas tous forcément des performances exceptionnelles. Et là, il y a vraiment moyen de se faire plaisir avec ces deux modèles. La SpeedTrot est vraiment très, très magnifique, j'arrête pas de le dire. Enfin, voilà, je vais arrêter. C'est une belle trotte de tous les jours. Ouais, ouais. Une belle trotte de tous les jours, étanche. C'est ça, le truc. Hein. Pour le quotidien. Une grosse diff entre les trottes de tous les jours et les trottes de plaisir, de passion. C'est pas pareil. Avant, on avait ça, hein, trottes de tous les jours. Là, j'ai 30. Bah, c'est ce que je disais. Hein, quand il y a un client qui vient ou qui me demandait « Ouais, je veux une trotte étanche pour rouler tous les jours. » Et il venait souvent pour une Dualtron Mini. Je fais « Oublie la Dualtron Mini, c'est pas étanche. J'ai quelque chose de bien pour toi. C'est super moche, super vilain, mais performant. Étanche, incassable. » Bah là, maintenant, je pourrais lui dire « Maintenant, il y a une XR500 de chez SpeedTrot, étanche. » Super belle, super jolie, et qui va rouler avec d'autres couleurs. Orange, voilà. Et moi, je trouve qu'elle est très belle comme ça. Ah mais moi, le orange, j'adore. Hein. Franchement, puis ça te permet d'être bien visible, elle quoi, du coup. Très, hein. C'est osé, grave, en design, mais je trouve que c'est très réussi. Oui. Ça fait très sportif. Très sportif. En plus, ça te tombe bien. Elle est orange et je vais pouvoir vous parler de mon nouveau groupe, Le Bon Coin de Jeff Ride. Qui est orange. Qui est orange aussi, comme Le Bon Coin. Bon, sur ce groupe-là, il y aura tout plein de modèles de démos, d'essais qui seront revendus pas cher, qu'on aura acheté directement à l'usine, ou des super offres de professionnels. Des modèles de fin de série ou des modèles qui sont un petit peu abîmés, avec très très peu de kilomètres et vendus à des prix défiant toute concurrence. C'est pas un groupe où vous allez pouvoir vendre. Ça gêne même pas quand il parle. Et puis chier avec le klaxon, là. Mais on l'entend pas avec le klaxon, donc. C'est pas un groupe où vous allez pouvoir poster vos annonces de trottinettes électriques de giro-roue à vendre. C'est uniquement des trottinettes giro-roue vélo électrique neuf, dont certains youtubeurs auront fait des essais avec hein, des reviews internet sur YouTube. Et après, on va les mettre en vente. Il me déconcentre, il fait le pitre depuis tout à l'heure. Et donc voilà, bon, je me répète. Je sais même plus ce que j'ai dit, voilà. Bref, vous verrez, allez tous sur ce groupe. Et tous les concours où je vous offre des vélos, trottinettes et tout, c'est sur Instagram. Je publierai la vidéo YouTube et après, le tirage au sort se fait sur mon Instagram. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, les gars. On n'oublie pas, si vous voulez craquer sur ce modèle, il y aura le lien dans la description de la vidéo.
Il y a le code Jeff Ride pour avoir moins 5%. On like, on partage, on commente si vous avez la moindre question. Et je vous dis ciao, ciao. C'est bon. Il s'en va. Bonjour. Blade, Seb, toujours là pour vous répondre. Il vous répond avec le sourire. Toujours. Je peux lui perdre le téléphone. Non. Et ça sert. 1, 2, 3, 4. C'est le bêtisier, ça, non? Bon, les amis, j'espère que la. Tout dans les. Allez, je recommence. Sur cette speed stop. Eh ben, c'est pas moi qui ai fait le burn, Lydie, c'est ton chéri. C'est qui a burné, c'est lui qui nettoie. Il a des super pouvoirs. Quoi, t'arrives pas? Alors, Fouque, hein, faut acheter des protections. Ah, mais t'as pas de coudière, t'as pas de genouillère, et puis t'as un, à ton pantalon, t'essaies de la toile. Ouais. Tu tombes en roue, bah t'as mal, quoi. Ça trouve un compromis, de toute façon. Elle est belle, hein? Oui, elle est belle. Franchement, elle est belle. Oh, ah oui. Oh. Bah, elle aussi, elle a une peinture époxy sur les ongles.